la guérison. Comment? La catholique, tu vois le céleste. Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de M2 Group. Vous êtes en compagnie de Stéphane Duchat, votre humble serviteur. Aujourd'hui est le jeudi 25 mai 2023 et cette date est destinée à un concert très spécial. Il s'agit du mini-concert de notre jeune prince du rap ivoire, AD. Nous sommes présentement dans la commune d'Abobo, au maquis New Relais. Allez, venez, c'est parti. Hey, c'est AD. T'as capté ou pas? RAP, c'est terre à terre. La la li, yeah. La la li, la 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 li, la la li, la 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 li, la. La la li, yeah. La la li, la 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 li, la la li, la 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 li, la. Donc toi tu crois à ce que les gens disent, dès que t'as dit Rob Tef, t'as laissé tes bises. Yeah, c'est pas si tu vois, hein. Mais la plupart des Européens, c'est la richesse africaine qui vise. Donc reste chez toi et puis t'as ton destin. C'est pas en Europe seulement on peut devenir. Nous irons prendre quelques impressions du public avant d'aller à la rencontre de AD. Allez, venez, c'est parti. Alors bonsoir, comment tu vas? Ouais, ça va bien, et chez vous? Ça va très bien. Alors quel sentiment vous anime aujourd'hui de voir que un tel produit comme AD est de la commune d'Abobo? Bon, c'est un sentiment de joie, hein, parce que AD, bon, tout le monde le sait, hein. C'est un petit très talentueux, côté rap, bon, il n'y a rien à dire. Donc c'est un sentiment de joie, vu que c'est son premier concert aussi, voilà. Qui sait, peut-être bientôt il remplira le palais et la culture. Ouais, AD, c'est un poids lourd. Ouais. C'est une fierté pour Abobo aujourd'hui d'avoir un talent. Ouais, ouais, c'est une fierté pour Abobo et pour la Côte d'Ivoire aussi. Tu es content d'être au concert de AD? Oh, je suis très content, je suis très content, je suis très content. Qu'est-ce que tu penses de AD? Non, AD, c'est un petit respectueux, en tout cas au quartier, il est sympa avec tout le monde. Tu vois, il joue la comédie quand il le faut, ça s'est débrouillé, tu vois un peu quoi. C'est un petit en fait qui sait, comment dire, gérer la vie quoi. Voilà, et puis ce que j'essaie de lui en plus de tout ce que j'ai entendu, il aime vraiment sa musique, c'est une passion pour lui. Et je crois qu'il ira très loin, j'ai confiance en lui. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir mademoiselle. Vous êtes content d'être au concert de AD? Oui, on est très bien content. Et vous? C'est quoi ça? Bah voilà, c'est pour ça que vous consommez AD. Allez, merci Ben. Comme vous avez pu le constater, la population d'Abobo est fière de son artiste, est fière de AD. Nous irons donc à la rencontre de AD pour prendre ses impressions sur son premier concert. Allez, venez, c'est parti. Alors famille, comme vous le constatez, nous sommes dans le véhicule. Attendez un instant, je monte un peu les vitres. Nous sommes à Abobo, hein, n'oubliez pas. On sait jamais. Voilà. Je pense que c'est bon. Là, on va à la rencontre de AD. On va chez lui à domicile, on va aller prendre quelques impressions. On espère qu'il est prêt et qu'il ne va pas trop stresser par rapport à son premier concert. Allez, vous connaissez M2 Group toujours. Comment on peut devenir quelqu'un? Ne sois pas idiot toi aussi. Depuis qu'on peut traverser la mer avec un bateau pimpin, hein? Ils te diront que là-bas tout est zo, c'est pas faux. Mais pour les noirs là-bas tout est difficile. Oui, c'est vrai, la vie n'est pas facile. Mais c'est pas pour autant t'as mourir comme un imbécile. Il a dit au revoir à l'Afrique sous prétexte qu'il va abandonner. Nous sommes en compagnie du prince du rap ivoire, le grand AD. À côté de lui, son ami de tous les jours, NJ. Alors on va prendre quelques impressions. AD, comment tu vas? Tranquille et toi? Tranquille. NJ? Ça va bien, ça va. Tranquille. Alors AD, premier concert, quel ressenti? Comment tu te portes? Bon, généralement, il me porte bien, mais je suis légèrement stressé parce que on ne sait pas ce qui se passe. On prie Dieu pour pouvoir donner un bon spectacle. Et pour que tout le monde soit fier et satisfait lorsqu'ils vont rentrer chez eux. Moi, pour le moment, il y a le stress, mais ça va aller. Et ce concert, on suppose que tu l'as très bien préparé, n'est-ce pas? Ouais, trop bien préparé. Et qu'est-ce que tu réserves à tous ceux qui sont venus, qui ont effectué le déplacement pour toi? Je réserve du lourd, comme jamais du lourd. Ça sera un nouveau AD sur la scène, en fait. Ça va dire ça, ça a que des hits, des bombes, mais pas des freestyle. Pas trop de freestyle, en fait. Les freestyle, c'est obligatoire, c'est normal, mais il y aura plus les titres. Alors, AD, qui est le parrain artistique de ce soir? C'est l'enfant de Babarita, Jojo le Barbu. Jojo le Barbu, famille, restez connectés parce que qui dit AD dit Jojo le Barbu. Qui dit Jojo le Barbu dit AD. T'as capté ou pas? RAP, c'est terre à terre. Et t'es qui? Oh, famille, allez, c'est parti. Barbo, wow. Vous m'avez le beat.
Appelle-moi le barbu, l'enfant des barbies. T'as le dos au père, toi la comparence. C'est comme ma faute, ça c'est maintenant sur mon fauteuil. Merci au groupe MD, c'est au groupe qui valorisait les artistes rappeurs ici en Côte d'Ivoire. Ils ont pour siège au poumon, mais ils font beaucoup dans le rap. Aujourd'hui sur internet, quand on veut parler de valeurs sûres, reconnues, admirées, admirables, mesdames et messieurs, il faut aller cliquer sur cette page et se renseigner parce que là-bas, on voit des pépites de talent, comme AD. Le mot, c'est après des jojo de l'hiver. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui... Babalita. C'est comment tu peux être Jojo. Là, je vais te régaler. Comment tu peux être Dieu t'inspire. Comment tu as su que ce temps-là allait devenir quelqu'un de grand. Comment tu peux savoir que... Non, tu es fort, tu es fort, tu es fort. Tu es un visionnaire. Celui qu'on va célébrer aujourd'hui, c'est AD. Mais je veux qu'on applaudisse celui qui a découvert AD, Jojo le Babu. Ah, il est trop long. C'est lui. Jojo, le papa. On peut massacrer mon nom, quoi. C'est bon, quand j'ai vu son sens à lui, fais gaffe. Mais il poste. Famille, on dit le premier salut d'un artiste, c'est appréciément encouragé pour la télé. Voilà. Voilà, boss, mon nom c'est JM. C'est pas JM. Jojo, merci pour le respect. Et le manque souffrant, faites appel dans les chachots. Et là, écoutez, c'est bon, qui a fait le son. Fais beaucoup de temps, Billy Boss, tu vas appeler Billy Boss. On parle de lui partout ici à Abidjan. Veuillez applaudir, mesdames et messieurs. Vous, moi, et tout le monde, authentique RG, s'il vous plaît, d'applaudir. Authentique RG. Salut, famille. Voilà, c'est le authentique RG.
mon premier EP est déjà disponible. Là, je vais vous présenter l'intro. L'intro d'anticipé. Je parle de ça. Ciao. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, vous pouvez pas aller bouger les seuls titres. Tu connais, non? Ça passe. Ce sont les enfants de Jojo. Ils sont de la même famille. C'est l'école des champions. Ils sont à l'école des champions. Installez-les. Autopsie. Oui. Phénomène authentique. Et pas qu'avec tout complet. Ils sont venus de loin. Sur la caille frappe comme ça, il y a le pas. Si t'as toi la tête, tu vas lâcher un bras. Ouais. Ils connaissent la fête. NG. Qu'est-ce que j'avais dit en passant? Toujours les artistes, le premier qui vient, c'est NG, s'il vous plaît. NG! Yeah. On est si fort. Waouh! On est là pour qui? On est là pour Adé. Donc, on va s'en aller pour Adé, s'il vous plaît. On va chercher fortement pour Adé. Show!
la blouse est petite, qui sont des pas de l'aider, ils ont des belles mélodies, on n'arrive pas à craquer. Tous ces bandits, ils n'arrivent pas à écouter, nous on est là pour les faire danser. Appelez-moi pour la réputation, prenez vos sens d'interprétation, la réputation du mot du morceau. J'ai pris ma domination en faisant attention à nos actions. Pour être le meilleur qu'on a de tension, qui est le feu dans le feu de l'action. Tous les jeunes, tous les hommes, sans les hommes, tous les hommes, même les hommes, je suis pas jeune. Le moment est arrivé où nous allons garder un silence. Et ce silence-là, c'est pour recevoir celui qui a l'honneur. Je vous en prie. Je vous en prie, mesdames et messieurs, nous allons recevoir quelqu'un pour qui nous sommes là. Et je vous dis tout simplement, mesdames et messieurs, c'est un génie du rap. Il a tout petit âge, c'est vrai. Je vais me faire appeler les autres B.I.G. De sa corpulence, de son talent, de ses expressions. J'arrive même pas à comprendre comment il arrive à trouver des rimes quand il chante. À la source à côté. Il dit le père à côté. L'énergie, la batterie à côté. Mesdames et messieurs, on lève les mains comme ça. Et on fait un vibro comme ça pour recevoir Adé. On reçoit Adé. Je suis un peu plus de la pitié, 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 je suis un peu plus de la pitié
terminé. Qu'est-ce que t'as dit? T'arrives pas à jouer des debouts. C'est pas un free hit, mais regarde comment je suis. Et si free hit, voyez la fois que j'ai 26 hits. Pendant qu'on parle à la vie, tu dis. Tu veux pas monter, tu veux plus gâcher. Tu prends des c'est ce qu'il me tient. Tu vas me mettre à donner nos on verra à Milan Pérou, je peux pas voir la tournée de l'autre. Sans parce que t'as touché la jeune française, tu ne vas pas laisser faire l'héros. Et la reine, c'est pour ça que tu sois. Avant de la vie, ils sont obligés de toi. Je fais des bizarres. Comment on se voit dans ton show, puis t'as mis des froids, hein. La vie se va aller au putain, scrooge. Oh, elle a mis la tête, scrooge. Il n'y a pas d'amour comparé à ma série d'une mère. Si c'était scrooge, j'étais plus ce son qui m'est fait trop du cœur. Maman, je vous dis la vérité, il n'y a pas de moyen de son qui fait pas de mon cœur. Merci pour la vie que tu m'as donné. La belle émission vous plaît porter. Avoir une mère comme toi, vous pensez les chances que Dieu m'a donné. Merci pour la vie que tu me donnes. La bénédiction pour les bonnes. Ah ouais, il fait comme quand vous avez une chance que Dieu m'accorde. C'est sans être coucou. Oh maman, maman, oh maman. C'est sans être coucou. Oh maman, maman, oh maman. C'est sans être coucou. Oh maman, maman, oh maman. C'est sans être coucou. Oh maman, maman, oh maman. Devant le ciel et la terre, maman, tu mérites d'être honorée. Ah mon Dieu, si t'aimes, comment ne pas t'adorer. Pour moi, t'es indispensable, j'ai pas les mots pour que t'es fini. C'est vrai que tu parles de l'âge, mais c'est aussi un génie. La représentation de la confiance en moi, c'est un lancé l'espoir. On applaudit pour un diesel, on applaudit pour un diesel, on applaudit pour un diesel, on applaudit pour un diesel. Aujourd'hui tu me fuis les insensés. Je le dis c'est à toi qu'elle t'en sait pour que ta force que tu as la chance. Mais les pleurs, les peines, les problèmes, c'est que tu l'offres. Ce que tu fais pour me recommander. Je t'assure chez les bons commandos. Jusqu'à mon dernier sou. Et c'est le tout pour des entiers. Maman ce sens c'est plus quoi. C'est toi qui donne la vie. On va faire ça et pour la même. Oh maman, c'est toi qui donne la vie. Vous voyez le monsieur Hans Diesel. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui, il est vu pour la première fois. Hans Diesel, il veut lui dire, il veut lui demander merci. On veut lui demander merci. Le monsieur Hans Diesel, il ne me connaît pas. Il ne connaît pas Hans Diesel. On m'a parlé de lui au téléphone, on m'a dit c'est Hans Diesel qui est donc parlé. Il a dit qui est Hans Diesel. Il a dit qui est Hans Diesel. Bon Dieu, il faut savoir que ce que tu as fait aujourd'hui, ce que tu as fait aujourd'hui, il faut savoir que tu as un fils. Tout ce qui est événement que tu vas avoir, tout ce qui est événement, va chercher artiste ailleurs, appelle Adé. Appelle Adé. Même 5 francs, il ne faut pas penser à ça. Appelle AD. C'est que tu as fait là, quelqu'un que tu ne connais pas.
connaît pas. C'est aujourd'hui qu'il était vu. Les enfants et les pères. Wow. Les enfants. Dites-le. Parlons de boy. Hey, laisse tomber. Elle était là quand il m'a laissé tomber. Maintenant, tu as une chance. C'est qu'elle veut dire que les gars, c'est là que je le perds. Là, elle est sérieuse. Elle n'a pas regardé pour le dire. Parce que moi, elle m'a donné plus choqué. Si moi, elle veut compter. Laisse-le parler. Il n'a pas la porte. Et bien, devant Dieu, c'est toi pour être doté. Elle m'a fait un débat. Placez-moi là, placez pour le quartier. Pour cette fini. Devant, elle était trop belle. Elle avait des ventes à bébé. Moi, elle était au skinny. On a dit, ça va pour vous. On a resté les trop belles. Laisse-le dire, lui, s'il a fait griser. Les autres, laisse-le voir. Elle s'est entrée faire la meeting. Elle était à même côté. Pendant ce temps, tout le monde me voyait en doublé. Oui, il n'y avait pas de jamais qu'elle lui parlait. Elle faisait la peine de me bouger. Hey, c'est mon dieu. Elle dit, on tient. On dit, 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 Parole de boy. Bon.
Pas des AD, hey yo la Voilà. Bye bye, yeah!
barbe, waouh. En tout cas, mon vieux Sifan, peut-être que tu nous connais, on va tout dire, mais Sifan. Voilà, allez, Sifan est mon gars. Voilà, on est venu soutenir nos frères, notre camarade, notre petit frère, c'est Adi. Donc là, ce soir-là, on va s'y faire tout pétard, mais c'est car, c'est pour ta, pétard, mais c'est ton car, ton car, t'es. Salut. Hey. J'ai suivi la belle vie de mon jeu. Hey. 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 Je veux vivre de mon mari, t'as vu pas que ça a des droits. Hey. Hey. Quand il s'agit de la paix d'abord, on n'est pas de ça. On est fort, on n'est pas de ça. Tu te fais des pêches, mais des salmons ne passent pas à ça. Je suis le pays de ton mari, tu vois que ça te donne, tu vois que ça te prend. Si c'est 50 millions, avec ça, des ça, et puis ça prend des loups, avec les petits repos. J'ai un petit repos. On est quand même petit repos. J'ai un petit repos. Ça, c'est ton petit repos. On est pas obligé de dire ça. Ça, tu n'es pas fait de dépenses. Et puis tu as tout dit, ça fait du choix. Parce que toi, c'est pas les gars, des bonnes armes, nous, aïe, aïe, bon, avec ça, tu vois ça, tu me dis par là. Hé, tu n'as pas de part, tu dois suivre ça. Hé, je peux croiser la presse. On est fait tous, quoi que tu aies la culture de paix. Y'a ton camp. Mais ça, quoi, tu vois la même chose là. Tu pars tous, c'est la guerre, mais y'a. Quoi, tu pars tous. Quoi, tu pars tous, tu pars tous, c'est tout. Hé, tu pars tous. On va tout faire, on dit pas. On va les faire tout, on dit pas. Que tu y as fait un truc, hé, pour l'entendre, ça, ça va plus tard. Tout le monde en a tabassé, c'est assez.
Applaudissez pour mon fils Adé rapidement, voilà, il n'y a pas le temps. Applaudissez, c'est trop beau, c'est trop beau. Ça me fait plaisir, hein. Voilà, vous soutenez, à Bobo, vous soutenez, c'est votre petit frère. Et c'est pas si à Tango ici, mais c'est votre gars aussi, c'est votre fils. Applaudissez pour ça encore. Je dis à mes enfants, moi c'est moi ici, moi je suis rien, mais je vais donner la force à mes petits. Donc le bac à faire, venez rapidement, les gens travaillent aujourd'hui, chap chap, chap chap. Chap chap. Hein, chauffer le coin d'abord et puis on continue. Prenez le micro, mais vous dites quoi? Si tu es là, tu veux aller ça, Barbo. Coupé en même temps. Mais quand il est en Moscou,
Bobo,
contre les enfants de Barbarita. Hein? Rapidement. C'est bon, non? Ne faites pas combine, hein? C'est vous qui devez juger, c'est bon. Il y a quoi? Vous êtes fatigué. Si vous êtes fatigué, là, l'entrée. Vous n'êtes pas fatigué, non? Il y a appelé qui là-bas ici? Là-bas, viens. Prends le micro, tu vas le booster. Il y a un troisième micro, non? C'est moi, il a appelé. DJ, mets le boy, on commence à l'enfant à Bobo. De Jojo. Alors monsieur Jojo, comment ça va être le concert? Ouais, c'était au calme, il a kiffé, il a kiffé, c'était bon. Le petit a de l'énergie, il a beaucoup de soutien, c'est ce qu'on veut pour tout le rap ivoire, voilà. Très bien. Alors qu'est-ce que vous avez le plus pour votre artiste? Il est confiant, il est confiant, il sait ce qu'il veut et il est beaucoup respectueux, ça c'est ce qui est bon. Très merci. Talentueux aussi. Okay, merci. Alors quels sont vos voeux? Qu'est-ce que vous avez souhaité pour sa carrière musicale? Le bonheur, le bonheur, le bonheur, c'est tout. Merci Jojo le Babu, merci bien, bonne soirée à vous. Alors, nous sommes en compagnie de Authentic. Alors Authentic, comment est-ce que tu as trouvé le concert de AD? Ah, en tout cas, c'était pas mal. Hein. Le concert était génial. On s'est amusé et puis les fans étaient en temps, en tout. En tout cas, les breaks. Très bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes le plus chez AD? En tout cas, le petit, ce qui me plaît chez lui, c'est sa créativité en tout cas. Le petit sait créer, il sait comment faire amuser la galerie, tu vois, non? Il sait comment faire lever foule. Il est bon, il est validé. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu nous fais pour sa carrière? Quels sont les vœux que tu aimerais former pour sa carrière? Prospérité, santé, beaucoup de succès à sa carrière. Qu'il dépasse ni nous-mêmes. En tout cas, nous tous, là, on a qu'à arriver loin. Un jour, ça soit aussi comme les vieux mongols. Et puis, ton foie, c'est bien fait, mon ami. Okay, merci, Authentic, bonne soirée. Il n'y a pas moi, mon ami. Nous sommes en compagnie des garçons stylés. Alors, les gars, comment est-ce que vous avez trouvé le concert de AD? Bon, le concert des zoos, des chants, le métier a tué, c'est fin. Ouais, c'était cool, mais il a mis du feu, c'était fin. Alors, qu'est-ce que vous aimez le plus chez AD?
Bon, le petit il est cool et puis ça descend qu'il de travail en fait. Voilà, donc on l'encourage dans ce qu'il fait. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu aimes le plus chez AD? Il est bon, il est tranchant et puis il est chaud. Voilà. Je suis en compagnie d'une ravissante demoiselle. La brésilienne. Alors dis-moi la brésilienne, comment est-ce que tu as trouvé le concert de AD? Je me suis sentie super à l'aise. En tout cas, le concert est trop chic. C'était chic même. Dieu a fait grâce, tout s'est bien passé, donc c'est l'essentiel. Très bien, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes le plus chez AD? Moi, ce que j'aime chez AD là, il a le visage de Fier de Bien, mais il a le style de Buna Boy, tu vois, donc le style c'est charismatique, quoi. Ok, merci bien. Alors dis-moi, quels sont tes vœux que tu aimerais formuler pour la carrière de AD? Bon, moi je lui souhaite tout le bonheur du monde parce que ce petit là il se donne à fond à la musique, donc je lui souhaite tout le bonheur du monde. On l'encourage vraiment vraiment beaucoup. C'est mon grand frère du quartier, en tout cas on lui dit vraiment merci, quoi. Allez, merci la brésilienne, bonne soirée à toi. Au revoir. Alors nous sommes en compagnie de 3D. Alors 3D, comment est-ce que tu as trouvé le concert de AD? Oh, il a trouvé très génial, c'est bien amusé, et puis ça continue, hein. Check. C'est, en tout cas, c'est bon. Très bien, alors qu'est-ce que tu aimes le plus chez AD? Bon, sa manière de rapper, la rage qu'il met dans son rap là, au fait, c'est ce qui m'enjaille. Compagnie de NJ, le meilleur ami de AD. Moi, c'est alors... Niskas, petit frère, grand frère de AD. Ok, Niskas. Alors les gars, comment est-ce que vous avez trouvé le concert de AD? Ouais, le concert était merveilleux. Moi-même, j'étais de la partie, voilà. Exceptionnel comme jamais. Santa, c'est Dieu qui a permis ça. Exceptionnel là. Comme jamais. Très bien, qu'est-ce que vous aimez le plus sur votre artiste? Bon, moi j'aime sa vivacité, et puis il est beaucoup technique, et il respecte les paroles, voilà. C'est un parolier. Voilà. Alors quels sont vos vœux que vous aimez donner à l'encontre de AD pour sa carrière? Bon, moi personnellement, j'aimerais que sa carrière décolle comme un avion. Voilà. Voilà. Moi, j'aimerais le voir en Europe, faire les feats avec Niska, Nino Kobal AD, et ça va se passer, je ne rappelle plus comme jamais. J'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment aimé ce concert, et c'est ma première fois d'assister à un showcase. Vraiment, l'ambiance y était. Très bien, qu'est-ce que tu aimes le plus chez l'artiste? Bon, sa manière de dégager son talent, de presser sur scène, de se mouvoir, il donne des gens tout. En fait, c'est le meilleur. Effectivement, j'ai été très ému du concert de AD. J'étais très content pour tout ce qui s'est passé. Franchement, j'étais très, très, très content. Qu'est-ce que vous aimez chez AD? AD, c'est un homme qui est très humble. Il est très sympathique. Tout le temps, AD m'envoie un message, on cause comme frère. En tout cas, il est bien, il est cool. Il n'y a pas de problème à son niveau. Il est très gentil. Alors, quels sont les soeurs que vous aimez donner à AD pour sa carrière? Où est-ce que vous aimez le voir plus tard? Ah oui, moi, je souhaite tout le bonheur à AD pour qu'il puisse réussir dans tout ce qu'il fait. Franchement, que sa carrière aille plus loin, que tout le monde l'honore, que tout le monde l'apprécie, que tout le monde donne le courage et la force pour qu'il puisse évoluer mieux. Ok, merci bien, bonne soirée à vous. Pourquoi risquer sa vie pour aller dormir dans les métros? Le continent le plus riche du monde ne mérite pas d'être le cimetière du monde. Ton talent, c'est ton trésor. L'Afrique en a besoin. Alors stop à l'immigration clandestine. T'as capté ou pas? T'as capté ou pas? Elle a besoin d'elle. Si?